Bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour voir comment récupérer les cendres de faucons de guerre et également on va être obligé pour ça de résoudre l'énigme, plutôt la carte au trésor du tableau de la prophétie. Donc pour ça, on est de retour au château de Valorage. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà commencer par activer le tableau. Donc là, on va se débarrasser juste de ces ennemis. Qui traîne, j'aimerais qu'ils ne nous poursuivent pas. Hop là, je brûle juste un tout petit peu histoire de les passer, et nous voilà directement au tableau. Donc là, le but de l'énigme, c'est juste de se rendre à l'endroit d'où le tableau a été peint, et donc on va se téléporter ici au sud. Voilà, si vous voulez vous y rendre, le plus simple c'est de partir donc de l'emplacement du marchand et de suivre la route pour remonter ensuite vers le nord jusqu'à l'église. Donc une fois que nous sommes à l'église des pèlerins, alors voilà, donc là, on a le peintre qui apparaît et qui nous laisse l'objet. Et voilà, cendre de faucon de guerre, ghetto d'Azé. YouTube, on se laisse ici. N'hésite pas à liker et à t'abonner si la vidéo t'a aidé. A bientôt!